La ville de Beaurain a été frappée par une terrible tornade le 19 juin en soirée. Des dizaines d'habitations sont frappées, les murs effondrés, les toits envolés. Des familles sont sans logement et beaucoup d'autres vont connaître des semaines et des mois difficiles dans les dossiers d'assurance et les réparations. Les sanctuaires de la Vierge au cœur d'or ont été touchés aussi sévèrement. Des arbres déracinés ou cassés, dans le jardin et le rectorat, les vitres de la basilique éclatées, les bancs retournés, dont certains abîmés, l'aubépine sérieusement altérée. Le castel Sainte-Marie voit des centaines d'arbres arrachés ou cassés, une quinzaine de voitures écrasées par leur chute. Mais le pire est dans la maison des sœurs de l'accueil, dont les bâtiments sont sévèrement atteints. Notre compassion et notre solidarité se sont déjà manifestées de bien des façons. Merci pour toutes les marques de sympathie et de soutien reçues de tant de manières. Merci aux bénévoles qui ont accouru le dimanche 20 déjà pour aider à remettre en état le jardin. Un grand élan d'amour pour Notre-Dame et son lieu préféré, sous l'aubépine cassée, mais qui se relèvera. La statue de Notre-Dame est intacte. L'immense tilleul s'est couché, cassé par la tornade. Il est tombé à la renverse, évitant la statue, les auvents, les bancs, le mur et la rue, comme s'il venait s'asseoir dans le jardin pour continuer à prier Notre-Dame avec nous. J'ai choisi de le maintenir là où la Providence l'a fait tomber, jusqu'à ce que le jardin nouveau apparaisse bientôt, fruit d'un long travail de préparation, et qui aujourd'hui, par la force des choses, va s'accélérer. Les sanctuaires de Beaurain revivent, sortant de la pandémie et de la tornade. La Vierge au cœur d'or veille sur chacun de nous, comme saint Bernard de Clairvaux l'exprime si bien, en ce texte devenu cantique, regarde l'étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien. Nous vous serons reconnaissants pour toute l'aide que vous apporterez au sanctuaire et à la maison de l'accueil. Chanoine Joël Rochette.